Bonsoir à tous et à toutes. Merci de votre présence. J'aimerais d'abord remercier à Dieu, notre Père, pour l'opportunité d'être ici, l'opportunité de pouvoir vous parler. Comme la dernière fois, j'aimerais déjà m'excuser auprès des francophones, car le français n'est toujours pas ma langue maternelle, donc vous risquez des fois de trouver des petites bizarreries dans le vocabulaire, mais on va faire de notre mieux pour que l'étude puisse être profitable et qu'on puisse ramener quelque chose de nouveau et d'important pour nous tous. Alors, la dernière fois, il y a un mois, nous avons eu cette première partie de cette étude. Et nous avons vu dans cette première partie quelques définitions de Père-Esprit. Donc, nous avons compris que le Père-Esprit est un lien qui lie notre corps physique et notre esprit. Donc, pour que l'esprit puisse se manifester, il a besoin d'un corps qui est un corps semi-matériel, que les esprits ont appelé, Alain Kardec a appelé le Père-Esprit. On a vu aussi le Père-Esprit un petit peu dans l'histoire, parce que malgré le fait que le nom Père-Esprit a été créé, ce nom a été créé par Alain Kardec il y a quelques années. Cette idée, elle est très ancienne. On a vu autrefois, donc on ne va pas tout revoir, mais depuis le début de temps, il y a cette notion de Père-Esprit, il y avait dans tous les peuples cette idée qu'il existe quelque chose pour que l'esprit puisse se communiquer, il puisse être en relation avec le monde physique et même dans le monde spirituel. On a vu aussi des scientifiques qui ont fait des études pour prouver l'existence du Père-Esprit pour avoir des preuves de son Père-Esprit. Tout cela, nous avons vu déjà, donc on ne va pas revoir, mais on voit justement que ce Père-Esprit a été appelé aussi par des différents esprits de manière différente. Certains l'appellent corps subtil, d'autres l'appellent le corps semi-matériel. Donc chacun donne une définition différente de Père-Esprit, mais pour dire toujours la même chose. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette deuxième partie les constitutions de ce Père-Esprit, quelques-unes de ses propriétés et le corps spirituel en relation avec les maladies. Et pour finir, nous allons voir que le Père-Esprit a un rôle important lors de la réincarnation et de la désincarnation. On regardera un petit peu cela. Donc cela, ça fait partie de notre étude de ce soir. Il faut se dire que le Père-Esprit, c'est un sujet quand même qui est très vaste et assez compliqué quand même, parce que il y a beaucoup de fois que les esprits, ils nous répondent qu'on n'a même pas les mots. Souvent, dans notre vocabulaire, nous n'avons pas les mots pour comprendre, pour expliquer. S'ils voulaient nous expliquer vraiment l'essence du Père-Esprit, ça serait difficile pour eux de nous expliquer. Donc, on reste quand même des définitions pour avoir des idées. Après, il y a des livres comme Jacob Mel, c'est un de ceux qui ont beaucoup étudié le Père-Esprit. On peut, si on veut approfondir, étudier ces livres, dans les livres des médiums, dans la Genèse, dans certains livres psychographiés par Chico Xavier et par l'esprit d'André Louis, on trouve des passages qu'on parle de Père-Esprit. C'est quand même, comme je vous ai dit, c'est un sujet qui, pour approfondir, il faudrait quand même beaucoup plus d'études qu'une simple petite heure avec ce concept qui sont quand même basiques. Alors, on commence par la constitution du Père-Esprit. Dans cette partie-là, on va regarder un petit peu les éléments constitutifs, sa source, sa forme et sa densité. En commençant par les éléments constitutifs, en fait, concernant le corps physique, les éléments, c'est toujours les mêmes. Mon corps, que ce soit masculin, que ce soit féminin, que ce soit le corps d'un enfant, d'un adulte,
Les éléments, c'est toujours les mêmes. La matière, là, elle est toujours la même. Par contre, en ce qui concerne, en ce qui concerne, voilà, je voudrais prendre une petite photo de la matière. Aussi, nos besoins, autant que personne, autant qu'être incarné, nos besoins sont également les mêmes. Nous avons tous besoin de manger, de boire, de se loger. Donc, on est, autant que personne incarnée, nous avons les mêmes besoins. Par contre, en ce qui concerne le père-esprit, les éléments constitutifs, ils sont un petit peu différents. Ça change de esprit à esprit. On va voir celui-là un petit peu en détail. Une information importante que nous trouvons dans la Genèse, c'est que les esprits, ils vont puiser, donc ils vont retirer leur père-esprit du milieu là où ils se trouvent. Donc, son esprit, il va se réincarner sur la planète Terre. Il va utiliser les fluides qui entourent la planète Terre. S'il va se réincarner dans une autre planète, le père-esprit, il va être composé des éléments de là où il est. Quand il est dans le monde spirituel, c'est pareil. Donc, c'est par rapport à l'habitat qui va renaître ou qui doit y vivre en tant qu'esprit, que son esprit va être constitué. Donc, celle-là, on voit très bien. Nous, sous la Terre, on a encore des fluides très lourds qui sont typiques d'une planète, encore un monde de preuve et expiation. Quand nous venons ici sur Terre, quand nous allons créer, si on peut ainsi dire, notre esprit, on va prendre les éléments dans cette planète qui nous entoure, qui est la Terre. Mais il y a une autre chose aussi importante, pas seulement concernant le fluide du monde où on est, parce que même si nous sommes dans un monde de preuve et expiation, nous savons que les fluides sont encore assez, si on peut utiliser le mot lourd, pas assez épuré, nous avons quand même toutes sortes de fluides. Et les esprits qui sont plus épurés, quand ils doivent se réincarner dans une planète telle que la Terre, ils vont quand même aller dans ces fluides qui entourent, ils vont utiliser les parties les plus pures de ces fluides qui l'entourent. Par contre, les esprits moins épurés, qui ne sont pas encore perfectionnés, ils vont utiliser les parties les plus grossières. C'est toujours le même fluide, c'est toujours le fluide qui l'entoure, c'est le même, mais il y a des particules qui sont plus épurées et des particules qui sont moins épurées. Et selon le degré d'évolution de l'esprit, il va utiliser une ou autre de ces particules-là, de ces parties de ce fluide-là. C'est vrai que pour comprendre ça à fond, il faudrait qu'on fasse une étude que sur les fluides. Mais ça, on peut faire une autre étude à part, sinon on n'arrive pas à tout faire. Donc, par cela, on voit que la constitution intime du père-esprit, elle n'est pas identique chez tous les esprits. Ça dépendra de pas seulement de l'atmosphère où on va naître, mais aussi du degré de l'évolution de la planète où on vit. On peut très bien imaginer que le Père-Esprit de Jésus n'était pas comme le nôtre, le Père-Esprit des esprits comme Chico Xavier, comme Thérèse, même à Thérèse de Calcutta, de ces grands esprits de lumière qui sont venus apporter une aide pour notre planète. Leur Père-Esprit n'est pas constitué comme exactement comme en tout cas pas comme le mien, voilà. Concernant la source, on sait que tout ce qui est matière vient de ce fluide cosmique universel. Les esprits nous racontent, nous disent que le fluide cosmique universel, c'est cette mer où tout baigne, d'où tout sort, c'est le souffle divin. Toute chose matérielle qui existe dans l'univers, elle a sa source dans le fluide cosmique. Et nous avons dit déjà le mois passé que le Père-Esprit, c'est de la matière. Pour nous, bien sûr, c'est une matière qu'on ne peut pas la voir, on a autant que personne incarnée, mais c'est quand même de la matière. Donc, comme c'est de la matière, elle vient de ce fluide cosmique, comme notre corps physique, qui est aussi qui a sa source dans le fluide cosmique universel. La différence qu'il existe, voilà, tous les deux,
ils viennent de fluide cosmique universel, ils ont leur source là-bas, c'est que notre corps physique, dans notre corps physique, il va, la matière, elle va garder, elle reste tangible. Donc voilà, c'est une matière dense qu'on peut la toucher. Dans le cas de périsprit, elle va conserver l'impondérabilité et ses qualités éthérées que le fluide il a dans son état pur, dans son état initial. Parce que qu'il soit la tangibilité, que ce soit l'impondérabilité, que ce soit ses qualités éthérées, tout ça est dans le fluide cosmique. Mais la matière tangible, elle perd, si on peut ainsi dire, ses autres qualités. Mais le périsprit, pas. Il garde ces qualités-là plus éthérées. Et ceci, c'est, on le trouve, cette explication, dans la Genèse. On avance un petit peu. Maintenant, pour parler un petit peu de la forme. Alors, les esprits nous disent que la forme de notre périsprit, on garde toujours la forme de notre dernière incarnation. Un esprit, quand il est dans l'erraticité, pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que tout le monde le sait, l'erraticité, c'est la période entre une incarnation et l'autre. Les esprits nous parlent d'erraticité, c'est avant de venir se réincarner de nouveau, on reste dans le monde spirituel, et ça, on appelle l'erraticité. Donc, quand on est dans cette période-là, nous gardons souvent, voilà, si je désincarne aujourd'hui, ici, demain, je viens ici dans une réunion médiumnique, si quelqu'un peut me voir, parce qu'il a cette médiumnité ostensible de voir quelqu'un, il va me voir tel que je suis là aujourd'hui. Mais certains esprits peuvent modifier par leur volonté leur apparence. Donc, il y a certaines, par leur pensée, ils peuvent modifier. Et on retrouve des cas. André Louis, par exemple, il raconte dans le livre Libertation, André Louise, il raconte un cas d'une personne, par exemple, qui était dans une espèce de tribunal dans le monde spirituel. Cette personne, elle avait tué 4 enfants. Cet esprit, elle avait tué 4 enfants. Elle avait tué son mari parce que voilà, la vie de couple, ça ne lui convenait pas. La vie de mère, de famille, ça ne lui convenait pas. Elle voulait vivre les plaisirs de la vie. Et à ce moment-là, il y avait une espèce de jugement. Ce n'était pas Jésus qui était en train de juger, hein. C'était vraiment quelqu'un dans les espères de seuil qui faisait son jugement. Et puis à un moment donné, il a dit, voilà, vous êtes coupable. Vous êtes coupable. Et puis il a prononcé le mot de fait, tu n'es qu'une louve. Et puis il a répété ça 3 fois, 4 fois. Et la 4e fois, le périsprit de cette personne a commencé à se transformer comme une louve. Et elle s'est transformée comme ça. Et les esprits disent, mais comment cela est possible devenir un animal, un père esprit qui a une forme d'un homme, d'un esprit normal, qui a notre forme, devenir cet animal? Et les esprits expliquent justement à André Louis, qui était avec lui, il disait, mais ça, ce qui a permis cette modification de son père esprit, c'est tout d'abord sa culpabilité. Donc, son propre, le jugement était fait avant tout par elle-même, puisqu'elle sentait cette culpabilité d'avoir tué des enfants, d'avoir tué son mari. Donc, il y a une espèce de hypnose qui était faite par quelqu'un d'autre, mais si le mal n'était pas en elle, si elle n'avait pas cette culpabilité en elle, ce changement ne pourrait pas s'effectuer. Donc, ce personne-là, ce juge, cette espèce de juge qui faisait office de juge, il profitait justement pour encore faire souffrir davantage ces personnes qui souffraient déjà, mais pour faire une espèce de condamnation. Mais la chose qui lui a plus condamné dans ce cas-là, c'est sa propre conscience, qui n'était pas en paix. Voilà. Alors, toujours concernant la forme, dans le livre, je n'ai pas trouvé le dessin en français, je ne sais pas s'ils ont été traduits en français, je ne crois pas, « Dialogue avec les ombres » d'Hermine Miranda,
Lui, il nous raconte aussi des choses à l'envers, des esprits supérieurs qui sont venus aider une victime, quelqu'un qui était dans cet état aussi de transformation, qu'on appelle justement ces esprits qui sont comme ça, on l'appelle la lycanthropie. Ils sont venus pour aider quelqu'un qui était dans cet état-là, en lui donnant des passes, en faisant des prières, en priant pour cette personne, en lisant l'évangile avec cette personne, avec plusieurs séances, des passes magnétiques, avec plusieurs séances, des lectures auprès de cette personne, et avec tout l'amour que ces infirmiers spirituels portaient envers cette personne, peu à peu, elle pouvait reprendre son état d'avant. C'est-à-dire l'état normal qu'on doit l'être, l'état qui ressemble à notre corps physique. Plus que nous savons que le Père-Esprit, nous avons dit, c'est le moule de notre corps physique, ce n'est pas le contraire. Voilà, le moule, c'est notre Père-Esprit. Donc, quand on désincarne, c'est normal qu'on garde la forme de ce moule-là. Et les esprits dans les mondes... Dans les sphères supérieures, ils utilisent ce même magnétisme, mais pour faire le contraire, pour que les personnes puissent se transformer, puissent guérir, puissent. On a vu dans le livre Notre Demeure, pour ceux qui ont vu le film justement, avec ces passes qui tout de suite guérissent, qui vont réparer les plaies, qui vont réparer le périsprit qui a été, on va dire, à quelque part abîmé par notre manière d'être, par les choses que nous avons pu faire envers les autres. Donc autant cet hypnotisme peut fonctionner dans le sens négatif, les esprits supérieurs l'utilisent également pour nous apporter l'aide dont on a besoin. Pas cela, on comprend que tout cela, ça se fait par la force de la pensée. Ce modélage, ce changement de forme, c'est par la forme de la pensée. Et il y a des esprits qui changent aussi leur apparence par leur volonté. Ils ont envie tout simplement de changer un petit peu l'apparence. Certains le font pour quelles raisons? Il y en a qui font tout simplement pour faire peur. D'autres pour tromper, pour mystifier. Même dans la réunion médiumnique, celles qui ne sont pas très sérieuses, il y a des esprits qui viennent et disent « Voilà, je suis Bezerra Jiménez. » Et s'il prend l'apparence de Bezerra Jiménez, un médium qui n'est pas vigilant, qui ne travaille pas à sa vigilance, il va dire « Ah, mais c'est merveilleux, nous sommes en train de recevoir Bezerra Jiménez ici. » L'esprit raconte deux, trois choses qui n'ont aucun fondement ou qui ont deux, trois mots qui sont jolis, mais si la personne n'analyse pas ça, son message de manière avec une critique raisonnée, en s'appuyant sur la doctrine spirite, il verra qu'il a pris cette apparence. Il ne pourra pas voir qu'il a pris cette apparence seulement pour tromper ou pour mystifier. On a donné l'exemple de Bezerra Jiménez, mais il y en a même qui prennent l'apparence de quelqu'un de la famille, de quelqu'un d'autre. Après, on va se dire, ouais, mais comment Dieu le permet? C'est que, bien sûr, ça dépend de la volonté, mais c'est à nous aussi de faire attention quand un esprit vient nous voir. La chose que Alain Kardec nous a pu demander, c'est d'avoir la foi raisonnée. C'est de toujours regarder, de toujours analyser avant de prendre une vérité pour vraiment une vérité. Donc, il faut toujours passer par le clip de la raison. Et ça concerne la même chose. C'est pas parce qu'un esprit apparaît, il a une jolie apparence, que c'est vraiment l'esprit qui veut, parce que des fois, ils veulent tout simplement mystifier. Ou même dans le monde spirituel. D'autres, ils peuvent aussi reprendre des formes d'une ancienne incarnation, rejeunir. Ça, pour les femmes, c'est une bonne nouvelle. On n'a plus besoin de Botox, on peut rejeunir une fois qu'on est dans le monde spirituel. Donc, on a le cas de très connu, c'est Emmanuel. On sait qu'après sa réincarnation d'Emmanuel, il a eu plusieurs autres incarnations. Autant que sur Terre. Emmanuel, c'est l'incarnation qu'il a eue à l'époque de Jésus. Donc,
quand il a travaillé toute cette vie avec Chico Xavier, en étant son mentor spirituel, il a choisi cette apparence-là. Donc, parce que c'est un esprit élevé, un esprit de haut niveau spirituel, il a pu, voilà, j'ai décidé de prendre cette apparence-là. Probablement parce que c'était l'apparence, la vie qui lui a plus marqué, puisqu'il a eu, il a pu rencontrer Jésus dans cette incarnation-là. Donc, on pense qu'il a choisi cette apparence-là par ce fait qui lui a marqué toute son existence. On passe maintenant à la densité de périsprit. De nouveau, cette densité, elle est aussi en rapport avec le degré d'avancement moral de l'esprit. Donc, plus l'esprit va être évolué, moins son périsprit va être dense. Plus il est encore attaché aux choses matérielles, plus son périsprit il va être dense. Donc, par là, on voit que le périsprit, il se transforme. Et il évolue aussi avec notre évolution. Donc, on va évoluer, notre périsprit, il évolue également. Alors, on a parlé de ce changement de l'esprit, qu'on peut changer notre forme, qu'on peut changer. Par contre, en ce qui concerne la densité, les esprits inférieurs ne peuvent pas changer leur densité, peuvent changer peut-être leur apparence s'ils ont l'intelligence pour le faire, mais pas la densité. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas se transporter dans des zones supérieures, dans des zones où les fluides sont incompatibles avec les siens. Voilà, autant le monde matériel que le monde spirituel, c'est une question d'affinité. Et là, leurs fluides n'ont aucune affinité avec un monde supérieur, donc ils sont obligés de rester, on parle de lourdeur parce que par manque d'autres mots, donc par la lourdeur de leur périsprit, par cette densité, ils ne peuvent pas s'élever à des sphères supérieures. Ce n'est pas une punition de Dieu, non, toi tu as un périsprit lourd, tu restes là, en bas, et puis les autres restent dans des zones de bonheur. C'est vraiment... Nous avons chargé notre périsprit avec notre manière d'être, avec nos actes, en le laissant plus dense, sans avoir la possibilité d'être admis dans des sphères supérieures. Donc, il y a une petite phrase qu'on nous dit même que le périsprit, des fois des esprits inférieurs, il est encore tellement grossier qu'ils confondent, les esprits le confondent avec leur corps charnel et se croient toujours vivants. Ils restent à la surface de la terre comme les incarnés. Chaque semaine, dans les réunions médiumniques, nous rencontrons des esprits comme ça qui nous disent « Je suis vivant, je vois mon corps, je le sens, j'ai faim, j'ai soif ». Pourquoi? Parce que ce périsprit, il est très proche du corps physique. Donc, c'est comme s'il avait un corps, ils sont les mêmes sensations que le corps physique. Donc, si on veut avoir un périsprit moins dense, moins grossier, et qu'un autre désincarne, on ne commence pas à sentir les mêmes sensations, le travail doit commencer aujourd'hui, pas demain. Alors, on avance un petit peu concernant toujours la densité. On voit très bien que c'est toujours en rapport avec l'évolution morale de l'esprit. Donc voilà, dans un esprit, dans les âmes évoluées, il va être plus léger, constitué toujours de ces fluides plus éthérés. Et chez les esprits moins évolués, qui sont encore retardés moralement, Et le périsprit sera plutôt opaque, plutôt lourd. Parce qu'ils sont plus proches, justement, ils vont toujours avoir ces fluides plus proches de la matière telle que nous la connaissons ici sur Terre. Une autre chose importante aussi qu'on doit parler à propos de l'esprit, c'est la coloration de son aura. Il y a une espèce... en fait, le périsprit irradie autour de notre corps physique une espèce d'atmosphère fluidique
avec cette forme un peu ovoïde comme ça, tout autour de nous, nous tous ici nous l'avons, cette aura. Et cette zone, cette aura, elle est très importante parce que chez les esprits supérieurs, elle sera lumineuse, elle aura des couleurs agréables à voir. Chez les esprits moins évolués, avec encore des défauts, elle sera plutôt noire, généralement opaque. Et ça, c'est important parce que ça permet les esprits, en nous voyant, en regardant notre aura, ils savent tout de suite si nous sommes orgueilleux, si nous sommes vaniteux. Ils savent que par notre aura, par la couleur de notre aura, quels sont nos défauts et quelles sont nos qualités. Alors, si on veut un aura limpide, si on veut un aura qui dégage de la lumière, ça dépend que de nos actes à nouveau, ça dépend que de notre volonté. Et autre chose aussi, les esprits voient aussi par l'aura les maladies qui sont installées dans notre périsprit. Ça, on verra un petit peu plus loin quand on va parler à propos des maladies. Propriété du périsprit. Donc, j'ai choisi quelques-unes parce qu'il y en a un tas d'autres. On pourrait passer toute la semaine à parler des propriétés. Donc, j'ai pris celles qui ça me paraissait les plus importantes, celles de l'irradiation, les actions sur les communications méduniques, la pénétrabilité, la tangibilité, les apparitions, les bicorporités et transfigurations et l'émancipation de l'âme. Donc, on va passer un petit peu en détail ces points-là. Alors, concernant l'irradiation, Allan Kardec, dans la Genèse, par l'intermédiaire avec l'explication des esprits, il dit qu'une des propriétés de périsprit assez importante, c'est celle de la irradiation. Donc, notre périsprit, il peut s'expandir, il peut irradier. Et c'est celui-là, c'est ce chose-là qui nous permet de nous mettre en contact avec le monde spirituel. Autant qu'être incarné, avec seulement notre corps physique, nous ne pouvons pas nous mettre en contact avec le monde désincarné, puisque c'est des fluides différents, les périsprits sont dans le monde spirituel. Mais par le fait que notre périsprit peut irradier, une espèce d'expansion qui se passe, nous pouvons, par cette expansion, c'est pas notre corps physique qui va se mettre en contact avec le monde spirituel, mais notre périsprit par cette possibilité-là. Donc, on va pouvoir, et le monde spirituel se mettre en contact avec nous, et nous pouvons nous mettre en contact avec le monde spirituel. Et puis, il y a une chose aussi importante que Allan Kardec nous dit encore dans la Genèse, que nous, autant qu'incarnés que désincarnés, nous pouvons tous agir sous les fluides, que ce soit les fluides qui entourent notre vie de tous les jours, que ce soit les fluides qui sont un peu plus noyés, donc, et on peut agir sous ces fluides. Les esprits ont utilisé des fois le mot fluide spirituel, mais juste après ils disent c'est pas vraiment le mot fluide spirituel, mais c'est afin que vous puissiez comprendre la différence entre quand on parle des fluides matériels, les fluides qui nous entourent, et les fluides un peu plus éthérés, les fluides qui sont manipulables par l'esprit. Alors on avance. Voilà. Justement, les esprits nous disent que les fluides ambiants peuvent être modifiés par la projection des pensées des esprits. Donc, tous les fluides qui nous entourent, ils peuvent être modifiés par toutes les projections de nos pensées. La pensée, elle a de la vie. Toute une pensée, qu'elle soit positive, qu'elle soit négative, chaque fois que nous émettons une pensée, cette pensée, elle est modelée, elle est créée, elle est plasmée à quelque part. Je ne sais pas si le mot français ça existe, plasmé, mais on parle plutôt du plasma. Voilà, alors je voulais chercher un peu, mais c'est dans ce sens-là, c'est qu'elle existe à partir du moment qu'on lance nos pensées en dehors, elle prend de la forme. Et on peut, puisque notre pensée, en la projetant
on va modifier les fluides ambiantes, les fluides qui nous entourent, ils vont être pareils à nos pensées. Si nos pensées sont des bonnes choses, si nous faisons tout notre possible pour surveiller nos pensées, nous allons être entourés des fluides qui sont bénéfiques. Par contre, si nous pensons toujours des choses négatives, si nous pensons toujours dans le mal, si nous pensons toujours des choses qui ne sont pas bénéfiques, nous allons être aussi baignés dans ce fluide que nous-mêmes nous avons créé. Alors, on peut dire que on peut s'éloigner de certains ambiances, des certaines ambiances qui a ces fluides qui sont lourds. On peut éloigner même des esprits, avec leur paix esprit bien sûr, de certains lieux. Mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'on change l'ambiance qui nous entoure, qui entoure ces esprits-là? C'est seulement le changement qui va faire en sorte. Donc on peut changer d'ambiance, mais on va de nouveau, on va dire, une ambiance qui était pure, si on commence à émettre des pensées négatives, on va de nouveau, on va dire, salir cette ambiance-là. Donc c'est l'esprit qui doit se modifier avant tout. Alors les esprits nous disent aussi que le paix esprit désincarné, étant d'une nature identique à celle de ce fluide qu'ils appellent fluide spirituel, on les assimile avec beaucoup de facilité. Il faut imaginer que notre paix esprit, c'est comme une éponge, c'est comme si on était une éponge comme ça, et puis quand on met l'éponge dans une bassine pleine d'eau, elle va se remplir de cette eau-là. Donc nous c'est pareil, notre paix esprit, il est fait de ces fluides-là, sa nature, elle est de ces fluides-là, semi-matériel, donc ils l'ont appelé fluide spirituel, et dès qu'il se met en contact, il va s'imbiber de cela. C'est cela qui explique pourquoi les fluides vont agir sur le périsprit. Et comme le périsprit, il est lié directement avec notre corps physique. Nous sommes liés par un grand fil argenté tout le monde a déjà entendu parler. André Louise nous a parlé de ce fil argenté qui lie notre périsprit à notre corps physique. Mais on a plein d'autres liens aussi qui nous lient. Et donc, nous sommes vivants. Nous avons plein de petits liens qui lient notre corps physique à notre périsprit. Et comme si notre périsprit, il a cette absorption, s'il arrive à absorber les fluides positif ou négatif, et qu'il est lié à notre corps physique, tout ce que le périsprit absorbe de négatif, ça va aussi répercuter sur notre corps physique. Après, toujours concernant ces fluides, on va utiliser le mot « bon fluide » et « mauvais fluide ». Donc, si les fluides, ils sont bons, on va sentir cette impression salutaire, cette impression de bonheur, cette légèreté. Le corps va tout de suite ressentir quand nous sommes dans un endroit où ces fluides sont de bonne qualité. Par contre, s'ils sont mauvais, ces fluides-là, on va tout de suite sentir une impression pénible, on va sentir cette odeur, on va sentir « je ne suis pas bien là ». Donc, il transmet tout de suite ces sensations à notre corps physique. Le gros problème, c'est que si nous sommes baignés là tout le temps, si nous sommes tout le temps de ce côté-là des mauvais fluides, s'ils sont permanents, ces énergies, elles vont causer des désordres dans notre corps physique. Ils vont causer... ça peut être la cause de certaines maladies. Maintenant, on passe sur l'action, sur la communication médiumnique. Pour nous, les spirites, c'est très important parce que la base de la doctrine spirite, elle a été construite avec la communication des esprits. C'est pas une doctrine qui a été créée par Allan Kardec, c'est une doctrine qui a été codifiée par Allan Kardec, donc elle s'est reposée pas sous la main d'un seul homme, dans les mains d'un seul homme, elle s'est reposée et elle se repose toujours sous toute la spiritualité qui a bien voulu nous amener cette doctrine d'amour et surtout de connaissance. Alors, l'action sous la communication médiumnique. On avait dit que le périsprit, il est justement cet intermédiaire entre l'esprit et le corps physique. C'est cela qui va expliquer
une manifestation médiumnique. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le Père-Esprit, il va créer, lors des manifestations médiumniques, lors des communications, il va créer une espèce d'atmosphère spirituelle. Et cette atmosphère, elle va être favorable à la transmission de la pensée entre l'être incarné et l'être désincarné. Donc, il va créer une atmosphère de manière à que son Père-Esprit va communiquer avec le Père-Esprit de la personne incarnée. Donc, ce n'est pas comme le dessin animé, que l'esprit rentre dans notre corps physique pour que la communication s'y fasse. C'est vraiment une expansion, une espèce de sorte d'atmosphère fluidique qui se crée de la part du Père-Esprit. Nous aussi, nous rentrons dans cette atmosphère du Père-Esprit, de l'esprit désincarné, et nous pouvons capter sa pensée. Et dans le cas c'est là qu'on va pouvoir avoir la psychophonie, on va parler. Sinon, on peut aussi avoir la psychographie, on va parler légèrement. Donc, les esprits nous disent qu'un esprit n'est capable de se manifester dans notre milieu que par la combinaison de ces fluides périspiriteux avec le fluide médium. Voilà. Ça, c'est Alain Kardec avec les esprits qui nous disent que voilà, il faut qu'il y ait toujours la combinaison de ce fluide pour que un esprit puisse se manifester ici dans notre monde matériel, pour qu'il puisse avoir, que ce soit la psychophonie, la psychographie, il y a un tas d'autres médiumnités qui existent, il faut cette union de ces deux esprits-là. Ça là non plus, je ne vais pas trop rentrer en détail parce que ça fait encore le sujet pour une autre étude. On va parler aussi maintenant sur la pénétrabilité du Père-Esprit. Donc, c'est encore une autre propriété qui tient à sa nature éthérée. Les esprits nous disent qu'aucune matière, cette matière que nous avons l'habitude d'appeler de matière, elle ne fait obstacle au Père-Esprit. Donc, les esprits, avec leur Père-Esprit, ils peuvent rentrer ici par la fenêtre, par la porte, mais ils peuvent également rentrer par les murs. Donc, il n'a pas de cachots, des endroits qui ne puissent pas rentrer. Cette matière ici sur Terre, elle ne fait pas obstacle aux Père-Esprit, aux esprits. S'ils veulent rentrer, ils veulent. La seule chose qui peut faire obstacle au Père-Esprit, c'est notre manière d'être, notre pensée. Donc, si nous ne nous mettons pas en relation, si nous n'avons pas des affinités avec des esprits qui sont dans la souffrance, qui veulent encore nous pousser à faire le mal, si nous ne nous donnons pas l'ouverture pour ces esprits-là, ils ne vont pas s'approcher de nous parce qu'ils n'ont pas d'affinité. Mais ce n'est pas les barrières physique qui va les empêcher de rentrer chez nous ou de rentrer ici dans cette pièce. Donc, il n'y a pas de clôture ou de prison qui puisse les empêcher de rentrer. Concernant la tangibilité ou les apparitions, on a parlé le mois passé justement, on a donné quelques exemples des personnes, des apparitions. Là, dans ce cas-là, on avait montré ces photos qui ont été prises avec Chico Xavier, avec sa médiumnité, avec la médiumnité de médium. Il y a cet esprit qui a pu apparaître. On a plein d'autres photos, d'autres médiums qui ont pu photographier l'esprit. Donc, c'est pas l'esprit que nous photographions, bien sûr, c'est son périsprit. Qui peut se rendre, comme on a vu tout à l'heure, visible. En fait, c'est comme tous les fluides. Si nous prenons, il y a plein de fluides qui existent, que nous savons qu'ils existent, mais nous ne voyons pas. Mais ils existent, ils sont là. Si nous prenons par exemple le cas d'une matière que nous utilisons tous les jours, nous ne pouvons pas vivre sans, c'est l'eau. Elle peut se transformer, on peut la trouver dans l'état liquide, dans l'état gazeux, dans l'état solide. Et donc, à chaque fois, ça a l'air d'être autre chose, mais c'est toujours de l'eau. Si on la met dans le congélateur et puis que ça devient des glaçons, ça ne changeait que l'état par des transformations moléculaires, mais c'est toujours la même chose. Dans le cas de Père-Esprit, c'est exactement pareil. Par la volonté de l'esprit, il va changer, pas exactement
comme ça arrive avec notre matière, par leur volonté, ils vont pouvoir se rendre visibles en opérant des transformations directement dans leur périsprit. Donc, on voit que c'est par sa volonté. Les esprits nous disent que ces différents états du périsprit sont le résultat de la volonté de l'esprit. Mais, dans la question 105 du livre des médiums, les esprits nous disent qu'il ne suffit pas la volonté pour que le périsprit puisse apparaître ou devenir tangible pour qu'on puisse le toucher. Il ne suffit pas celui-là. Les esprits nous disent que ne suffit pas son vouloir. Il ne suffit pas que nous, autant qu'incarnés, veuillent aussi voir. Je veux te voir, je veux le voir. Ça sert à rien. Donc le vouloir n'est pas la seule chose. Voilà. Alors il parle qu'il faut la combinaison des deux fluides. Donc pour un périsprit, que l'esprit puisse se présenter avec son esprit, il faut qu'il y ait une combinaison de ce fluide avec le médium qui va le fournir d'une matière pour qu'il puisse faire pour qu'il puisse se présenter, pour qu'il puisse se rendre visible. Donc il y a une combinaison de ces fluides avec celui de médium. Donc voilà, les fluides de médium avec les fluides de l'esprit. Il faut aussi qu'il y ait l'affinité. Des fois, il y a le médium, il y a l'esprit, mais ils n'ont pas d'affinité. Donc l'esprit ne peut pas se manifester, ne peut pas se rendre visible. Et la dernière chose, la plus importante peut-être, il faut la permission de Dieu. Rien ne se fait sans la permission de Dieu. Donc voilà, si c'est important. Aujourd'hui, on voit de plus en plus, c'est que les manifestations, comme elles existaient, comme il y a eu à l'époque de la codification, deviennent de plus en plus rares. Parce qu'on n'a plus besoin, nous avons déjà tous les enseignements qui sont là, dans les livres de la doctrine spirite, dans les œuvres, les cinq œuvres de Kardec, et nous trouvons toutes les réponses dont nous avons besoin pour notre amélioration spirituelle. Dans le livre des esprits, nous trouvons toutes sortes de questions. Allan Kardec n'a rien oublié, il a traité tous les sujets que dans le livre des esprits. Donc voilà, nous avons déjà ça. Donc, on voit de moins en moins ces genres d'apparitions parce que si nous voulons croire aux esprits, nous n'avons pas besoin de le toucher, nous n'avons pas besoin de le voir. Ils sont là, donc on n'a pas besoin de ce genre de choses si on veut vraiment arrêter notre sceptisme. La bicorporéité. Les esprits nous disent que c'est l'esprit, que l'homme soit mort. Bon, c'est drôle parce qu'ils utilisent le mot mort, mais c'est dans le livre des esprits, hein. Dans le livre des médiums. Que l'homme soit mort ou vivant, il a toujours son enveloppe semi-matérielle, c'est-à-dire notre esprit, qui par les mêmes causes peut acquérir la visibilité et la tangibilité. Donc, tout ce qui s'applique au périsprit des personnes qui sont désincarnées, peut s'appliquer aussi à notre périsprit. On avait vu le cas de cette jeune professeure française qui, elle, apparaissait dans des endroits différents. Son corps était dans la salle, dans sa classe, et puis d'un coup, quelqu'un la voyait dans le couloir de l'école, ou bien Eurípides Barçanufo au Brésil, qui était aussi un professeur, que voilà, plusieurs élèves disaient « Ah, il est un petit peu assoupi », et finalement, on voyait, il est allé faire un accouchement quelque part, ou aider quelqu'un quelque part, parce qu'il laissait son corps physique là où il était, et il partait avec son périsprit. Donc, si les esprits peuvent se déplacer avec le périsprit quand ils sont désincarnés par la demeure, c'est l'esprit désincarné peuvent également se déplacer et s'éloigner du corps physique pour un moment, pour une courte durée de temps. Les mêmes choses qui expliquent les tangibilités, donc ces propriétés-là, expliquent aussi ces cas-là. Une chose intéressante, c'est les transfigurations. Alors, les esprits nous disent qu'un esprit combinant son propre fluide avec celui d'un autre peut y substituer sa propre apparence de telle sorte que le corps réel disparaît sous une enveloppe fluidique extérieure dont l'apparence peut varier au gré de l'esprit.
Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? C'est vrai qu'il y a des personnes, nous remarquons des fois dans les réunions médiumniques, la personne, on dirait que c'est quelqu'un d'autre. Le médium, il change complètement son apparence. Mais c'est justement parce que c'est une espèce, c'est comme le périsprit, il est tellement proche de son périsprit à lui, il ne substitue pas son apparence, mais il efface un peu le périsprit de la personne vivante, de médium, et puis on va plutôt voir, c'est lui de l'esprit qui est désincarné. Donc ce n'est pas un tour de magie, c'est juste que la combinaison, ils sont tellement proches, il y a tellement une affinité entre eux, que la personne, elle, on a, même pour les personnes qui ne sont pas médiums, ils vont regarder ce médium en transe, en train de donner une communication, et puis on va plutôt voir le visage de quelqu'un d'autre. C'est sûr que ce n'est pas des transfigurations, on voit exactement l'autre personne, mais on voit le visage de la personne qui change. Ça peut arriver avec des esprits supérieurs, on voit ces visages très illuminés, et ça peut arriver aussi avec des esprits souffrants, où on a vraiment l'impression de voir quelqu'un d'autre, le visage qui change, la voix qui change, et ce n'est rien d'autre que par cette, on va dire, cette force de combinaison de fluides qui se fait, et il crée une espèce de voile sous le périsprit de la personne vivante qui peut expliquer ces transformations-là. L'émancipation de l'âme. L'émancipation de l'âme consiste à la libération de l'esprit pendant le sommeil. Tous les soirs, toutes les fois que nous dormons, voilà, il y a cette émancipation. On part, on laisse notre corps physique et on part avec notre périsprit dans le monde supérieur. Nous partons travailler, nous partons faire quelque chose pendant notre temps. Mais on est toujours lié à notre corps physique. Il n'y a que à la désincarnation, au moment de notre désincarne, qu'on n'aura plus ces fils qui sont liés. Donc, c'est pour ça que s'il arrive un danger à notre corps, quoi qu'il arrive, si quelqu'un nous réveille, comme à la vitesse de la lumière, notre périsprit, il vient très rapidement parce qu'il est averti, on peut dire ainsi, par ce cordon qu'il doit être de retour proche de son corps physique. Donc voilà, on voit là la personne qui dort et puis avec son périsprit dans le monde, dans une espèce de monde astral. Et souvent, il y a beaucoup d'entre nous qui avons encore peur de la mort. Les esprits nous disent, mais vous mourrez tous les jours un petit peu. Chaque fois que vous dormez, vous mourrez un petit peu. Parce que la seule différence entre cet état-là et de l'état de notre mort, ce qu'on va, il n'y a plus ce cordon qui nous relie à notre corps physique, donc on ne pourra plus venir en courant pour voir le corps, on n'a plus de corps. Mais on sera dans cet état-là, dans l'état que nous dormons après notre mort. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur de la mort. C'est que nous allons dormir et nous n'avons plus notre corps physique. Nous mourrons tous les jours un petit peu. Et cette émancipation de l'âme explique aussi les rêves. C'est quelque chose qui est un petit peu difficile à expliquer, mais nous avons plusieurs sortes de rêves, les rêves appelés physiologiques, les psychologiques, les souvenirs et les rêves vraiment spirituels. Donc les rêves physiologiques, ça concerne seulement voilà, nos préoccupations de tous les jours, nos besoins de physiques que nous avons. Ce n'est rien d'autre qui se passe dans notre entourage. Les rêves psychologiques, c'est des choses qui sont dans notre partie physique, notre mental physique, pas dans notre mental spirituel. Concerne nos préoccupations, nos inquiétudes. Je suis inquiète avec un examen que je vais avoir demain, donc je rêve de ça. Donc il n'y a rien à voir avec quelque chose d'astral. C'est mes préoccupations de tous les jours, donc on va pas plus loin. Et des fois, il s'agit de nous souvenir, tout simplement. Des fois, je suis là, je rêve que je me souviens le matin que j'étais habillée en homme, j'étais sur un cheval à quelque part, et puis tout simplement, ça peut être mon père-esprit qui se souvient de quelque chose, d'une autre incarnation, et on garde dans notre cerveau physique un léger souvenir de celui-là parce que le père-esprit même a pu se souvenir de cela. Et après, il y a les rêves dits vraiment spirituels, c'est ceux où on fait des vraies rencontres, où on va dans le monde spirituel, que ce soit dans les mondes
dans les endroits supérieurs pour travailler, pour étudier, pour être quelqu'un d'utile, ou tout simplement, ben, on rencontre notre voisin, on va faire la fête, on va aller au disco. Donc, parce que c'est pas parce qu'on dort qu'on devient meilleur ou qu'on change nos habitudes. Si nous aimons aller dans les bars boire des bières, on va pendant notre sommeil aussi aller se promener dans les bars où sont les gens, on va rencontrer des personnes comme nous qui sont là aussi. Ou des fois, ce n'est pas paresseux, on sort même pas de notre chambre. Et le lendemain, on a l'impression qu'on n'a rien fait. Vraiment, on n'a rien fait parce que on n'a pas cultivé encore, on n'a pas encore cultivé le travail en nous. Ça, c'était juste pour passer rapidement. Le corps est spirituel et la maladie. Tu peux m'arrêter? Alors, pour nous les spirites, on sait que la maladie, elle ne vient pas seulement de notre corps physique, mais elle vient surtout de notre esprit. Donc, nos défauts, nos fautes, nos vices, tout cela s'est imprégné dans notre esprit. Et à nouveau, comme on avait dit avant, par le fait qu'il est lié avec notre corps physique, les maladies, elles vont apparaître sous ça va apparaître tout ça en forme de maladie. Tout cela, ça va se transformer en forme de maladie. Donc, tout ce qui est ancré, tout ce que nous faisons, comme ça reste dans notre périsprit, toute cette désharmonie vibratoire, elle va causer les maladies sous notre corps physique. Et comme on avait vu tout à l'heure, c'est par l'état de notre aura que les médecins spirituels vont pouvoir voir où elle est la maladie et pouvoir donner le traitement, nous aider, bien sûr, dans la mesure de notre... de notre mérite, merci. En accord avec notre mérite, bien sûr. Et Georges Andréa, il nous dit toujours que les tissus malades, ils montrent toujours une aura trouble et les tissus sains ont toujours une aura limpide. Si on utilise vraiment, si on régale les tissus malades et les tissus, il y a toujours une différence de couleur. C'est pour ça que l'aura est importante. Alors, les maladies, pour être malade, il faut avoir une prédisposition quelconque. Et cette prédisposition, c'est voilà, un organe qui est réceptif pour contracter ou attirer une maladie. Il y a plusieurs causes de ces prédispositions. Ça peut être d'une autre vie, liée à la loi de cause à effet. Elle peut être attirée ou bien de l'environnement. Et elle peut être héréditaire. Alors, en regardant un petit peu ces trois groupes rapidement, concernant la loi de cause à effet, donc on va apporter avec nous, déjà avec notre périsprit, les maladies qui vont apparaître plus tard dans notre corps physique. Là, on voit un monsieur dans le ministère de la réincarnation qui est en train de choisir un corps. Bon, c'est un petit gag, donc il prend un qui manque une jambe. Donc voilà, c'était son choix pour son perfectionnement. Il a choisi qu'en ayant ça, ça serait plus judicieux pour lui, pour son évolution. D'ailleurs, on voit dans plusieurs livres d'André Louise ou des esprits, ils participent de comment va être leur prochain corps, comment il va être. Ça, on trouve dans les littératures spirites, certains n'ont pas le choix, et d'autres, ils peuvent intervenir, dire, voilà, j'aimerais plutôt comme ci, comme ça. Ils travaillent ensemble, c'est comme un laboratoire pour choisir. Mais, voilà, c'est comme si le germe de la maladie, elle est apportée avec le périsprit, mais celui-là, c'est toujours en relation avec la loi de cause-effet. Si nous n'avons pas fait quelque chose de mauvais, notre corps, il doit certainement être sain, au moins qu'on a demandé comme épreuve d'avoir quelque chose. Les attirées, elles sont très fréquentes sur notre terre. Elles viennent de notre vibration. C'est nous-mêmes qui attirons des mauvais fluides, des mauvaises choses envers nous. Et ces mauvaises fluides vont intoxiquer notre corps physique, notre périsprit. Et voilà, ces maladies, elles viennent de nos vibrations et elles ont une similitude et une attraction. On va attirer vers nous par notre manière d'être, comme on avait dit déjà tout à l'heure.
j'essaie d'aller vite, tout ce qui est environnemental. C'est pas seulement aujourd'hui on veut manger bio, on veut être sain, on veut faire du sport, mais on oublie de soigner tout ce qui nous entoure au niveau des fluides. Voilà, que ce soit dans la famille, dans le travail, tout ça, tous les fluides qui sont émis par les autres et par nous-mêmes, nous baignons là-dedans. Donc, il faut qu'on fasse attention aussi, voilà, à la maison, si on commence une discussion, une bagarre, essayons de se calmer, de demander la paix, de demander des fois de mettre l'eau que André Louis propose justement, l'eau, des fois se taire, des fois aussi, pour pas chercher la bagarre plus loin. Donc, l'environnement, il nous influence aussi. On peut avoir des maladies à cause de l'endroit où on se trouve. Cette vibration bonne ou mauvaise, elle peut créer des perturbés. Voilà, les vibrations, si nous sommes dans un foyer d'amour, dans des endroits d'amour, ça va contribuer pour la santé de notre corps physique. Par contre, si nous sommes toujours dans des ambiances où les vibrations sont mauvaises, cela va engendrer la maladie, que ce soit dans les dehors, au travail, n'importe où. Les prédispositions héréditaires. Là, on va dire, ouais, mais c'est pas juste. C'est mes parents qui m'ont donné cette maladie, ils les avaient dans leur gène, ils m'ont transmis. Mais il faut dire que ces prédispositions-là, elles sont de toute façon liées à notre vie passée. Si mon père il a un cancer, si ma mère a un cancer, je dis bah bon, je vais avoir le cancer. Pas forcément, parce que ce n'est peut-être pas une maladie que je dois vivre, parce qu'elle ne fait pas partie de choses que j'ai fait dans le passé. Donc, la famille héréditaire, elle est choisie avant l'incarnation et en fonction des épreuves choisies par notre épuration. Mais peut-être que le germe de la maladie, elle est en nous, mais elle ne va jamais se développer. On va vivre 100 ans. Et voilà, sans cette maladie-là, même si toute ma famille a eu cette maladie-là. Donc, tout ça dépendra toujours de nous. Maintenant, je vais parler rapidement. Les esprits nous donnent quand même le remède. Bien sûr, on nous parle de maladie. Mais qu'est-ce qu'est le remède? C'est la charité, c'est la foi, c'est les pensées positives. Et j'aime beaucoup la phrase de Pierre dans la Bible, quand il nous dit qu'on doit avoir la charité les uns pour les autres, car la charité, l'amour, elle couvre une multitude de péchés. Alors, nous n'aimons pas tellement le mot péché, mais c'est vrai que c'est notre l'amour que nous pouvons porter vers le prochain qui va faire que tout ce que nous avons fait dans le passé va être effacé. On n'a pas seulement besoin de souffrir pour effacer nos dettes de passé. Nous pouvons aussi effacer les dettes de passé avec l'amour du prochain, avec notre changement moral. Donc voilà, il y a plein d'histoires racontées par des esprits. Des esprits, par exemple, qui devaient venir avec une épreuve de perdre un bras. Et puis d'un coup, la personne, elle a fait tellement de bonnes choses qu'elle a perdu qu'un doigt. Ou bien des histoires des personnes qui sont nées avec la prédisposition pour avoir une ulcère ou autre chose. Mais avec toutes les bonnes choses qu'elle a fait, elle a entouré son périsprit et son corps physique par des bons fluides, par des bonnes actions. Et cela fait qu'on n'a pas besoin toujours de souffrir pour évoluer. Nous avons besoin avant tout, c'est d'avoir l'amour en nous. Je vais m'arrêter là aujourd'hui et j'espère que ça vous a donné envie de continuer à faire des recherches sur le périsprit parce qu'il y a tellement de choses importantes. Donc, j'aimerais remercier votre patience. J'aimerais remercier que vous m'avez donné l'opportunité d'étudier un petit peu plus sur ce sujet qui est fascinant et j'espère que vous puissiez aussi continuer à l'étudier. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est nous que te remercions. Comme vous voyez, les contenus, il est hyper vaste. Donc ça nous sert à avoir envie de nous approfondir. La doctrine spirit nous explique beaucoup de choses qui nous éclairent à propos de notre passé spirituel et aussi de notre avenir. L'hiver a parlé de la peur de la mort. Ça tombe bien parce qu'en octobre, ce sera le sujet de notre conférence. Je vous rappelle que la conférence en français, elle a lieu toujours la deuxième semaine de chaque mois. Donc le mois d'octobre, ce sera le 14, toujours à 8h. Et pour ceux qui suivent aussi les conférences en portugais, je vous rappelle que la semaine prochaine, on va commencer à 19h. Parce qu'en fait, on aura deux petites conférences, ce sera un petit séminaire. N'oubliez pas, à 19h, on commence.
arriver un petit peu avant ça. On va passer au pass magnétique. Le pass magnétique, vous savez, c'est un transfert d'énergie, de bons fluides. Pour ceux qui le désirent, ce n'est pas obligatoire. Pour ceux qui désirent, on vous demande de rester assis et vous serez appelé à votre tour. Je vais juste demander à Olivia qu'il fasse la prière pour qu'on puisse clore ça. Merci beaucoup. Jésus, notre Maître, nous sommes tellement heureux d'être ici aujourd'hui, dans cette maison de prière, dans cet hôpital, dans cette école. Nous sommes tellement heureux, Seigneur, de pouvoir profiter de tes enseignements à la lumière de la doctrine spirituelle. Cette doctrine qui est venue pour tuer la mort, qui est venue nous montrer que notre Créateur, notre Père, est un Père d'amour qui ne nous abandonne jamais et qui nous donne toujours une nouvelle opportunité malgré nos défauts, malgré que nous sommes encore des petits enfants devant l'éternité. Nous sommes tellement heureux, Seigneur, car les esprits amis sont toujours avec nous, à nous conseiller, à nous appuyer. Et nous sentons maintenant leur présence ici. Et nous savons qu'ils sont déjà en train de donner les fluides bénéfiques pour chacun de nous. Nous savons, nous avons la certitude qu'ils ont déjà regardé l'aura de chacun de nous et qu'ils ont déjà manipulé le médicament spirituel et physique dont nous avons besoin. Et nous vous remercions de cette opportunité. Remercions ces esprits qui sont toujours là. Et nous aimerions, Seigneur, demander pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, pour ceux qui n'ont pas supporté l'épreuve de cette vie et qui sont partis avant l'heure, qu'ils puissent rencontrer le réconfort dans tes bras, qu'ils puissent aussi, Seigneur, rencontrer un moment de paix. Que cette prière, Seigneur, peut servir de baume dans leurs blessures. Nous demandons, Seigneur, pour les gouverneurs de chaque pays. Nous demandons pour la paix sur cette terre qui nous accueille. Nous savons, Seigneur, que la destinée de la terre est celle du bonheur. Mais jusque que nous arrivons là, Seigneur, nous avons encore beaucoup à faire. Et c'est pour cela que nous demandons ta miséricorde, ton amour et ta présence parmi nous. Et c'est avec cette petite prière, Seigneur, que nous aimerions clore cette réunion de ce soir. Mais ayons la certitude que tu seras toujours parmi nous. Ayons la certitude qu'en sortant d'ici, nous allons pouvoir amener avec nous ces fluides bénéfiques et nous allons pouvoir les partager avec notre famille, avec nos amis, avec ceux que nous aimons et avec ceux que nous sommes encore en train de travailler notre amour envers eux. C'est avec cette certitude, Seigneur, que nous demandons la permission de clore cette réunion. Restons dans ta paix aujourd'hui, toujours, ce soir.